Bonjour à tous et bienvenue dans Paris Gagnant, votre émission du sport et du pari sportif. Salut Benoît, salut Damien. Salut. Salut à tous. Nouvelle émission cette semaine, désolé, on a mis un peu de temps entre les deux, mais bon, il faut qu'on refasse aussi notre petit stock d'informations à vous délivrer chaque semaine. Alors les gars, on va commencer cette émission par un point sur les différents championnats. Ça joue partout sauf ici, chez nous, mais c'est pas grave. On commence par quoi? Quel championnat voulez-vous commencer là? Qu'est-ce qui vous émoustille? Liverpool, bien sûr, champion. Liverpool qui a été champion jeudi soir, donc, parce que Manchester City a perdu contre Chelsea. Donc voilà, ça faisait 30 ans que Liverpool n'était pas champion, et ça fait du bien, parce que moi, c'est un club que j'adore. Bah, c'est triste qu'il n'y ait pas de public. Ouais, il y a eu des rassemblements devant Anfield, si j'ai bien cru comprendre. Ouais. Ouais, mais c'est pas pareil. Franchement, c'est con. Ouais. Enfin, surtout pour une ville comme ça. C'est comme PSG cette année, ils vont gagner les champions, il n'y aura personne. Non, mais c'est la loose. Oui. C'est la loose, franchement. Bah ouais. C'est l'ambiance, l'ambiance du stade, ça aurait été un truc de ça aurait été fabuleux, quoi, regarder à la télé, mais voilà, c'est comme ça. Mais bravo à eux, et ça, c'est pas, il y a pas une petite ligne droite, hein, c'est 23 points d'écart. Ouais, voilà. Ouais. Bah, c'est fabuleux, hein, bravo. Bah, l'année dernière, ils auraient pu être champions, côté deuxième avec 92 ou 94 points quand même. Bien sûr. Voilà. Bien sûr, mais c'est quand même un club, en Ligue des Champions, ils ont gagné, ils ont fait finale, c'est ça. C'est un club aujourd'hui, il fait moins de bruit que le Bayern, que le Real, que Barça, que voilà, mais c'est un truc, enfin, c'est monstrueux. Ils ont perdu qu'une fois cette année en Première Ligue. Ouais. C'est monstrueux. Donc non, franchement, top. Avec un super entraîneur, hein, voilà. Enfin, l'entraîneur fait beaucoup. Qui a changé la méthode de travail aussi. Beaucoup, il a dit. C'est ça. Ouais. Et d'ailleurs, ils vont jouer. Liverpool va jouer à Manchester City dans 5 jours. Donc, il sort de. Alors maintenant, quand vous êtes parieur, qu'est-ce qui va se passer? Liverpool va nous faire une PSG, c'est-à-dire qu'ils vont plus rien faire et ils vont plus rien faire jusqu'à la fin de l'année, ou est-ce qu'il y a un record à aller chercher? C'est ça ma question. Bah, le record, c'était rester invaincu et c'est perdu. Ouais, mais le nombre total de points, ils sont à 86 quand même. C'est quoi le record en... Je crois que c'est 101 ou 102 points. C'était Arsenal il y a longtemps, mais. Parce qu'ils peuvent aller le chercher. Oui. Bah, la victoire à 3 points. Il reste 7 matchs. Il reste 7 matchs. Ils ont 86. Bah, il leur reste 21 points à prendre, donc ça fait. Ouais. Donc ça peut le faire. Hein. Oui. Peut le faire. Ouais. Ok, c'est à voir. Franchement, s'ils ont encore quelque chose à aller chercher, ils vont se donner à fond. Sinon, je ne sais pas trop. Le record de points, c'était City sur la saison 2017-2018 avec le 100 points. Ah oui. Liverpool, autant vous dire que. Ok, c'est ça que je voulais, ils vont pas lâcher, ils vont aller le chercher ça. Ah, c'est sûr. 86, il en reste 14. Hein ? C'est carrément jouable. Ah oui. C'est ce que je dis, ouais. Ils vont aller chercher, ouais. Donc, ils vont pas se relâcher, ça, c'est une évidence. C'était ça que je voulais savoir, en fait. Donc, nickel. Nickel. Si on regarde vite fait le classement, il y a des enjeux aussi pour les places qualificatives en Coupe d'Europe. Pour la suite du championnat, où est-ce que va se porter votre intérêt en termes de paris? Chelsea, pour moi. Chelsea, parce que c'est quand même intéressant ce qu'ils ont fait hier soir. J'ai regardé le match. Franchement, je pense que c'est l'équipe qui monte. Ils étaient un peu moins bien avant le confinement, et puis là ils reviennent bien depuis qu'ils ont repris. Attention à Wolverhampton, c'est surprise, mais bon, voilà, ouais, ça peut continuer. Après, le confinement peut fausser beaucoup de trucs, parce que là, les bobos vont commencer à arriver, hein. Je pense là, ça va venir là. Parce que les matchs s'enchaînent. Les matchs, mais ouais, donc je pense d'ici un match ou deux, là, on va avoir les bobos qui vont arriver, et là, ça peut changer. Enfin, ça a déjà commencé à côté d'Arsenal, les bobos. Hein. Oui, mais Arsenal, ils n'ont rien à jouer. Ouais. Oui, c'est une blagounette. Ouais.
Les Wolves et Wolverhampton, c'est quand même impressionnant parce qu'ils ont quand même une armada portugaise. Ils sont 8-9. Enfin, ils sont pas 8-9 titulaires, mais ils sont 8-9 portugais dans l'équipe. Comme quoi, ça porte quand même ses fruits. C'est quand même une équipe assez intéressante. Déjà, l'année dernière, bon, ils étaient à peu près ça, 5-6, je sais plus, mais ouais. Ça devait être. Ouais, c'est ça. Cette année, ils sont à la lutte avec Manchester United pour la cinquième place. Et bon, est-ce qu'ils pourront aller chercher Chelsea à 5 points d'écart, je ne sais pas. Mais non, non, c'est une très, très belle équipe aussi. On ne savait pas trop si ça allait perdurer cette année, mais apparemment, ça marche plutôt. Et la grosse surprise, quand vous regardez le championnat, c'est comme Sheffield. Hein. Personne n'est vraiment. Ils sont devant Arsenal, ils sont devant Everton, ils sont. Voilà, bon, là, ils viennent de perdre deux fois de suite, donc deux fois 3-0, à voir comment ils ont digéré le Covid, eux. Mais non, enfin, et en bas aussi, hein, pareil, hein, de la 19e place à la Brighton, je pense qu'ils ont un petit écart, mais à Watford, West Ham, Bournemouth, Aston Villa, ils sont 4 pour 2 places, donc 27, 27 20, et 28. Il va y avoir du sport là aussi en bas là, et ça va être intéressant à suivre. Tu parlais de Brighton, comment ne pas parler de Neil Maupay et son clutch but à la dernière minute contre Arsenal. Ouais. Non, mais bien sûr, non, mais t'as raison. Et franchement. À suivre, Neil Maupay. Lui, déjà en championship, il pourrait plus revenir à Brest, hein, parce qu'à mon avis, son prix a explosé. Mais il a marqué 9 buts cette année quand même en première ligue, il faut le faire. Ouais, bon souvenir quand il était passé à Brest, franchement, bon gars en plus, hein, enfin, vraiment très, très, très sympa. Et 9 buts en première ligue, chapeau à lui, franchement, top. Le seul Français devant lui en première ligue, c'est Martial, d'ailleurs, qui a fait un triplé, je crois. Ouais, super match. Donc il revient, il va peut-être revenir bien aussi. Mais non, très intéressant cette première ligue à suivre. Voilà, tout comme, allez, on va rebondir sur la Serie A. Hein, voilà. Ah, allez, enchaîne sur la Serie A. Je te fais la passerelle. Vas-y. Avec, je sais pas si vous avez vu, mais il y a eu un fabuleux Atalanta Lazio. Ouais, j'ai vu un long résumé. Non, mais l'Atalanta, ça plante, quoi. Ça arrête pas de planter. Je crois qu'ils ont une moyenne de 2,5 buts par match, ouais. Ou même 3 buts par match, enfin, c'est un truc de fou. Surtout en Serie A. Ouais, surtout en Serie A, c'est assez incroyable. Donc, à voir s'ils peuvent garder leur ossature. Et s'ils le peuvent, ils pourront sûrement faire de belles choses. Mais c'est. Voilà, très belle équipe. Ils restent sur. C'est au moins 5-6 victoires d'affilée là, donc voilà. Et en bas, bah, c'est un peu comme en première ligue. Vous avez 4 équipes pour une place. Par contre, Lecce, Genoa, la Sampdoria et l'Udinese. Voilà, ça va vouloir son pesant de cacahuètes aussi. Parce que Brescia et Spal, je pense que c'est fait. Qu'est-ce qui déçoit cette année? Bah, Milan AC cette année, ouais. Et l'Inter qui a perdu tout espoir de titre aussi. Ouais, voilà, l'Inter. Bon, l'Inter, je pense que maintenant, oui, ils vont l'avoir, la Ligue des Champions, enfin, viser la Ligue des Champions, la qualif. Voilà, Serie A et la Juve, bon. C'est poussif. 4 points d'avance. Ouais, mais 4 points d'avance. Ouais, mais la Juve, c'est ça. La Juve, c'est poussif, mais c'est toujours devant. Ouais, c'est ça. 4 points d'avance. Qu'est-ce que ça peut donner? Je les sens bien. Ah, vous vous rappelez la dernière émission? On parlait de Cristiano Ronaldo, Damien? Ouais, bah voilà. Et on avait dit marqueur, il fera un super match, il a loupé un péno. Ouais, mais il l'a marqué, je l'ai joué d'ailleurs, il a marqué, c'était mercredi, je crois, ou mardi ou mercredi, il a marqué d'entrée. Donc, mais ouais, nous, c'était quoi? C'était contre l'Inter qu'on avait dit qu'on a. Oui, on avait parlé de ça, c'était contre l'Inter, je crois. Ouais, c'est ça. Ou Naples? C'est pas dans ce match-là qu'il a loupé un péno, c'est. C'est le match d'après. Dans le match d'après. Ouais, il me semble. Bon, j'ai vu un truc comme ça passer. Il a marqué un péno, pardon. Il en a pas loupé, il en a marqué un. Voilà, je savais qu'il y avait une sorte de pénalty dans l'histoire. Mais ouais, Juve Inter, ça a été un. Voilà. Cristiano Ronaldo a fait le taf, mais il n'a pas marqué. Voilà. C'était là où je voulais en venir. Donc voilà, Serie A, écoutez. Et la surprise de l'année, pour moi, c'est Hellas Vérone. Voilà, ouais. qui était monté, qui sont dans le top 10. Donc franchement, bravo à eux. Je ne les voyais absolument pas à ce niveau-là. Voilà. Alors, on continue un petit peu les championnats, mais après, on ouvrira un petit volet Ligue des Champions, maintenant qu'on connaît un peu le programme. On regarde Bundesliga, rapidou. Et puis un petit coup de Liga aussi. On est obligé de parler de Griezmann et de Barcelone. On commence par donc le titre. Ouais.
Le titre, c'est fini, c'est bon. Et Dortmund a fait le trou sur Leipzig en allant battre les Red Bull à Leipzig 2-0 le week-end dernier. Donc là-dessus, ça s'est fait. Maintenant, voilà, il y a la bagarre entre le Bayern, Mönchengladbach et Leipzig pour deux places en Ligue des Champions. Voilà, à suivre. Et est-ce qu'on va perdre un grand nom de la Bundesliga, qui est le Werder de Brême, ou les anciens, voilà, Johan Mikou, je pense que voilà, à l'équipe 21 a joué quand même de nombreuses années au Werder. Voilà, donc les blancs et verts, ouais, ça ferait bizarre de les voir descendre en fait. Ouais, mais c'est des équipements qui sont réguliers ces dernières années en Bundesliga. Des Hambourg qui est descendu. Ouais. Il y a Schalke aussi. Mais oui, oui. Ouais. Voilà, c'est... Ils descendront pas, mais ils sont pas top cette année. On est d'accord. Donc le Werder, ça va être triste. Enfin, le Werder, c'est bon. Hein. Ils ont un pied et demi dedans parce qu'ils ont 7 points. Ils ont quand même 8 points de retard sur Augsbourg. Ils ont 2 points de retard sur Düsseldorf, qui est le match barragiste. Alors, je vous raconte pas l'ambiance. S'il y a des spectateurs, si le Werder de Brême est barragiste. Je pense que ça sera un match qui voudra son pesant d'or, mais ouais, c'est voilà, la Bundesliga, c'est assez figé. En bas, il n'y a plus vraiment trop de lutte, à part pour cette place de barragiste, et puis en haut, bah, le titre, voilà, encore le Bayern, ça va être intéressant à suivre en Ligue des Champions, le Bayern. Moi, je le sens pas mal. Ouais. Damien, je pense que t'en penses. Non, pareil. Non, bah, c'est tellement. Il est pas homogène le championnat allemand, du coup t'as toujours du mal à avoir. Ils ont pas franchement de gros matchs trop, à part en Ligue des Champions, je trouve, le Bayern et tout. Et puis ça, ouais, ça a été poussif, ça, c'est pas, je sais pas. J'ai pas d'argument, mais je les sens pas. C'est bizarre de dire ça, mais. Tu sens pas qui? Bah le Bayern en Ligue des Champions. Ah, tu les sens pas, non, d'accord. Tu les sens toi? Ah bon, je pense que c'est très costaud. Non, non, pas moi. Je pense que c'est très costaud. Mon problème, c'est que je crois qu'ils vont finir leur championnat et qu'après, ils ont des jours off, alors que les autres seront tous en pleine bourre. C'est juste ça, en fait, qui peut poser problème. Voilà, c'est pour ça qu'il faut toujours bien regarder ce qui peut se passer. Mais voilà, c'est ça le, ah ouais, c'est ça, le problème. Un truc à rajouter pendant que j'y pense. Ouais, merci François, je vais jeter un coup d'œil, mais il avait mis ça dans les commentaires de l'émission précédente. C'est vrai qu'il y a pas mal de victoires à l'extérieur depuis la reprise. Oui, là. Il l'a marqué, donc j'ai regardé rapidos, là, vite fait, les résultats des dernières journées. Il a raison, donc à étudier de plus près, si vous avez le temps, parce que je pense qu'il y a des beaux coups à faire. Et merci François, du coup, je vais aller regarder ça. On s'intéresse. Voilà, ça a été petit aparté, le vu que tu parles des commentaires, le documentaire que. Oui, j'ai perdu. Bah, c'est le problème de MyCanal, en fait. C'est qu'ils ont passé les chaînes, plein de reportages en. Tout au long de la journée, et là, depuis qu'ils ont repris un peu les. Qu'ils rediffusent des choses, bah, je ne retrouve plus. Donc, désolé. D'accord. Mais... Voilà, mais c'était parce qu'on nous avait posé la question. Désolé. Mais si je le retrouve, je le remettrai. Ça marche. On parle de Ligue 1 ? Ouais. C'est parti. Voilà. Ah ! C'est une notification. On parle de Ligue 1, c'est parti. Bah, le Real. Alors, ouais, la Liga, ça va être la grosse bagarre entre le Real et Barcelone. Avec quel regard vous portez sur cette fin de championnat espagnol? Ça va être serré. C'est passionnant, je trouve, justement. Ouais. Parce que forcément, l'Atlético de Madrid s'est ressaisi, hein, si je peux me permettre. Oui. Mine de rien. Voilà, c'était pas gagné, mais là, voilà, ils ont fait le trou avec le cinquième Rétafé, ils ont 6 points d'écart, donc je pense que voilà, ça va en Ligue des Champions. Mais ouais, Real de Madrid, comme disait Damien, Barcelone, super intéressant, on va suivre ça forcément avec attention. Là, bah, apparemment, je mettrai un avantage pour Real par rapport au calendrier. Ouais, moi aussi, pareil. Si je peux me permettre. C'est quand même plus intéressant pour le calendrier. Je sais même pas les cotes, alors si je peux vous dire ça... Je vais pouvoir vous dire ça pour dans 2 secondes. D'ailleurs, voilà, ça va peut-être être un pari un pari en live. Si la cote est intéressante, je mettrais bien un billet. Mais bon,
je suis pas fou, je pense que tout le monde l'a vu, que le calendrier doit être plus intéressant pour le Real, donc je me fais pas trop d'illusions sur le pari qui va gagner. Le Real, ils vont être à combien? Bah avec Kaben, pendant que tu cherches, allez, avec un Kaben de main de ouf. Je vous dis ça. Le Real de Madrid, voilà, forcément, ils sont favoris. Pour les Français de l'étranger, allez, au mieux, vous avez du 1,60. Quoi. Ouais. Bon. Voilà, donc 1,60, non. Ça aurait été 50-50, ça valait le coup, mais bon, forcément, ça aurait été une belle value. Mais... Là, non. Là, ça vaut pas le coup. Ça tient compte du calendrier, je vous le dis tout de suite. Voilà, pourquoi cette cote. Et sinon, en Espagne, bah écoutez, en bas, il y a le trou qui est fait, donc ça va être compliqué pour Mallorca et les Ganes et l'Espagnol de remonter sur Eibar et le Celta Vigo. Donc je pense que la messe est un petit peu dite. Je pensais que ça allait être mieux Fekir au Betis, mais bon, voilà, c'est le Betis cette année, c'est dans la deuxième partie du championnat, c'est pas non plus tard. Alors la surprise, c'est Retafe, hein. Parce que celui qui me dit qu'il voyait Retafe dans le premier, qui lève la main. Hein. C'est compliqué quand même. Mais Retafe, voilà, fait une super saison aussi. Donc, même s'il reste sur 4 nuls et une défaite, c'est pas forcément réjouissant. Mais voilà, ça fait le taf. Donc intéressant à suivre cette fin aussi de championnat d'Espagne. Et pareil, au Portugal, ils se tirent la bourre aussi les deux. Benfica et Porto. Voilà, rien n'est fait encore pour l'instant. On s'intéresse à la Ligue des Champions, rapidement, vu qu'on connaît un petit peu le programme des réjouissances qui nous attendra vers la mi-août. Tu as parlé tout à l'heure de l'Atalanta en Serie A. Moi, j'aimerais bien connaître votre avis sur l'Atalanta et ce potentiel vainqueur. Moi, quand je vois la cote à 25, il n'y aurait pas une folie à faire ? Oh non, ce serait une grosse folie quand même. Je pense qu'il y a Enfin, c'est plus trop une folie. Tu m'aurais dit ça en début de saison, l'Atalanta, j'aurais rigolé. Mais regarde, il y a eu l'Ajax. Voilà. Il y a souvent une surprise. Pas pour remporter, hein, mais pour arriver dans le top dernier carré. L'Atalanta, c'est sûr que. Où tu l'as vu à 25, toi? Bien sur un site qui s'appelle BetClick. Et quand? Dernièrement? Là. Parce que c'est valu, hein. Elle est à 15-17 chez les points com. Hein. Bah écoute, je cours pas. C'est valu la Talenta à 25 à voilà, parce que c'est quand même costaud, ça plante. Et le Real à 30. Ah, tu dois te tromper là, Pierre-Yves, c'est possible. Non, je vous fais une capture d'écran, les gars. Je veux vainqueur compétition chez BetClick, Ligue des Champions 2019. Le Real est à 30, mais il n'y a pas une histoire. Ils n'ont pas déjà. Non, mais c'est parce qu'ils rencontrent une équipe qui. Ah, bah, ils rencontrent Manchester City, c'est pour ça, parce que Manchester City, c'est le favori, le deuxième favori, c'est pour ça que Real de Madrid, même si Manchester City, comme je vous dis, j'y crois pas, mais c'est sûr que Real de Madrid, Manchester City, Real de Madrid peut très bien passer, et après la cote à 30, elle sera divisée par deux, donc ça peut être intéressant. Le problème, c'est que Manchester City a déjà pris deux buts d'avance ils ont été déjà gagnés au Real. Dans la cote à 30, elle s'explique. Il y a plusieurs facteurs, en fait. C'est que Manchester City, c'est un des favoris de la Ligue des Champions et qu'ils ont déjà marqué deux buts à l'extérieur. Donc, j'ai quand même du mal à voir Real de Madrid aller s'imposer par minimum un but. Ils en marquent trois pour reprendre l'avantage par rapport au nombre de buts à l'extérieur. Enfin, ou alors, ils passent par un trou de souris, ils font 2-1 à l'extérieur, prolongation, et ils passent comme ça. Mais la cote à 30, forcément, elle s'explique, elle est justifiée. Il y a un petit pourcentage de chance, forcément, qui puisse se qualifier pour Manchester City. Mais voilà, tu n'allais pas les mettre à 10 en ayant perdu 2-1 à la maison. Donc, non, mais c'est pour ça, hein, voilà, ça s'explique toujours. Et ça, c'est très bien ta question, hein, Pierre-Yves. Quand vous êtes interloqué par une cote, foncez pas dessus comme ça. Et, tu vois, là, on aurait.
tu fais pas un peu de recherche, tu dis putain j'y vais, je mets un billet dessus. Mais voilà, il y a, alors des fois quand vous allez faire la recherche, vous allez dire bah ouais mais la value elle est là donc j'y vais. Mais parfois vous allez dire ah oui mais ça s'explique, voilà il y a un souci. Tu vois, mais l'Atalanta, si elle est encore à 25 sur Betclic, allez-y. Quand tu mets 4-1, 4-3 à Valence, quand t'es quatrième en Italie, que t'es en pleine bourre, non, franchement, je souhaite à personne de se taper l'Atalanta Bergame en quart de finale. Hein. Ouais. Je souhaite à personne. Non, mais c'est vrai. Non, mais en plus, avec le format des matchs simples, à partir des quarts, ouais. Bien sûr. Ah ben sur un match, tout le monde peut battre tout le monde. Bien sûr. Non mais je suis d'accord avec toi. Et c'est-à-dire que quand tu arrives en quart, tu as 3 matchs à gagner pour gagner ton pari en fait. Oui. Ouais, c'est. Bah oui, c'est juste que ça en fait hein. Parce qu'il y a pas d'aller-retour, on est bien d'accord. C'est des matchs secs. Ben oui. Donc non, toutes les cotes voilà, tout ça c'est ça bouge, c'est remanié. Et regarde Lyon qui ont battu la Juve 1-0. Il va falloir que la Juve batte Lyon avec deux buts d'écart et qu'il n'y ait pas le goal average. Enfin, il ne faut pas que Lyon il marque à la Juve parce que sinon la Juve doit gagner 3-1. Quoi. Donc, après Lyon, ils n'auront pas de compétition dans les jambes. J'ai du mal à aller voir quelque chose. Mais... Quand tu vois le PSG à 5,50, ils sont à 5,50 parce qu'ils sont déjà qualifiés pour l'écart. Ouais. C'est pour ça. Hein. Oui. Mais quand tu vois un. Bon, le Bayern, ils vont passer, mais quand tu vois un. Comment j'allais dire, un Atlético de Madrid, je ne sais pas combien ils sont, mais là, en ce moment, ils reviennent bien. Ils sont à 15. Ils ont 15. Franchement, si on fait un point Ligue des Champions, Manchester City à 4. Tu t'imagines que Manchester City et le Bayern de Munich, ils ont la même cote? Ouais. Tu crois plus à Manchester City qu'au Bayern de Munich, Dams, par exemple? Moi, non. Personnellement. Cette année, non. Parce que, mais après... Bah non. Après, par contre, ils ont plus rien à voir à jouer, donc peut-être que... Je sais pas, non, je dis non. Ouais, mais tu sais, avec l'expérience, moi, honnêtement, ouais. Quand t'as des équipes comme ça qui ont plein de championnats, ça peut les desservir aussi. Hein. Ouais. T'as besoin d'avoir des matchs. Et d'ailleurs, PSG, c'est pour ça, en Ligue 1, le niveau est pas assez élevé, c'est pour ça qu'ils ont pas assez de matchs de haut niveau, mais non, ça peut desservir. Mais là, je fais un vite fait tour, là. Si vous n'avez encore rien en Ligue des Champions, eh ben, Atlético de Madrid, Atalanta, bien sûr, à 25, hein, pas à 15. Ces deux-là, là, je pense que ça vaut un petit quelque chose. Et même, je dirais même la Juve, parce que je les vois passer Lyon sur l'état physique. Et c'est combien la cote de la Juve là? 15. 17. Ah, 15, 17, oui. C'est 17 beau, sur les coms, c'est bon, c'est pareil. C'est ça. C'est beau. Donc, ouais. Tu prends ça, ça te fait deux équipes autour de 15, une équipe à 25. T'as le temps de voir venir et puis si tu veux vraiment prendre un favori, qui moi j'estime un favori, mais je vous aurais bien dit le Bayern, mais il faut que je regarde le calendrier parce que s'ils ont des jours de repos, 2-3 semaines de coupure, je suis pas sûr que ça va plutôt les desservir. Et qui en avait d'autres derrière? Ouais, Real, ils sont à combien? Ouais. Non, bah après je vois personne d'autre. Leipzig, ouais, bon, bref. Après, c'est sur un malentendu, c'est un match sec. Leipzig, là, je vois qu'ils sont à 100. Plus de 100, voilà, t'as trois tours à passer pour gagner la Ligue des Champions, c'est fou quand même, c'est fou, donc ça mérite de quand t'es en quart de finale, il te reste 3 matchs pour gagner la Ligue des Champions, ouais. Ouais. Alors que d'habitude c'est 6, enfin non, d'habitude c'est 5, parce que t'as juste un match en finale, mais c'est pour ça, là il y a des cotes qui valent vraiment le coup, honnêtement, hein, j'ai l'Atlético de Madrid, ils peuvent battre tout le monde sur un match, hein. Ouais, c'est clair, pas de problème. Tu blindes derrière, tu marques, tu gagnes 1-0, c'est terminé. Donc, ouais, franchement, ça, moi, je vais me répencher. Je pense que je vais rajouter un billet sur ces trois équipes-là. Et surtout l'Atalanta à 25. Bien vu, Pierre-Yves, parce que moi, je ne pensais pas que c'était aussi haut. Et c'est parce que je pense qu'ils ont encore oublié de. Betclic, c'est Betclic qui m'a dit Betclic ne s'est pas pris de charge encore dessus. Ouais, je pense. Le problème, c'est que. Non, mais le problème, c'est que moi, je vais arriver, je vais jouer. Même si je n'ai pas besoin de jouer gros. Hein.
Mais vu que j'en ai eu plusieurs des comptes Betclic, mais le compte que j'ai là aujourd'hui, je suis sûr qu'il est traqué aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est surveillé, parce que ça m'arrive des fois de jouer et que ça ferme derrière. Donc le problème, c'est que pour pas que ça ferme, il va falloir que je le couple avec une cote pourrie à 1-0-1 et tout pour un petit peu les distraire, on va dire, Betclic. Voilà. Mais vous nous direz si vous avez pu prendre l'Atalanta à 25. Franchement, c'est un bon placement et ça peut être sympa dessus de la Ligue des Champions, ça va vous faire un peu de Et suspense. petite question, les gars, parce que c'est parce qu'on va parler de hand féminin tout à l'heure, mais il y aura les recrues ou quoi là? Parce que c'est quand même au mois d'août. Eh ben, pour Ah bah, le il y a des joueurs qui sont pas là. Cavani sera pas là, par exemple. Ouais, Cavani, il a refusé de prolonger, mais Ah ouais? au mois d'août, t'auras fait ton mercato déjà pour les autres clubs, donc tu joues avec quoi? Avec les joueurs du mercato, tu seras autorisé ou pas? Parce que je sais pas, en fait, personne n'en a parlé de ça. Honnêtement, là pour moi, enfin, je préfère parier sur une équipe qui a une ossature, qui a joué déjà plusieurs matchs ensemble et tout, plutôt qu'une équipe, même si j'ai dit une connerie, un PSG, ils vont s'en prendre 4-5 joueurs, j'en sais strictement rien, mais ils n'auront pas joué ensemble, il n'y a pas d'automatisme et tout. Donc, moi je préfère toujours le collectif à 2-3 individualités en fait que tu vas rajouter sur une équipe déjà qui n'était pas forcément flamboyante. Ouais. Donc voilà, après je vais te dire, moi pour prendre mes paris là, je vais te dire peu importe. Mais c'est une question, oui, faudrait aller voir. Là, j'ai pas la réponse. Je Ouais, sais pas. bah moi non Je plus. sais pas. On Donc close voilà. le dossier Ligue des Champions et puis bah, avec le temps qui nous reste, je pense qu'on peut aller faire un petit tour sur vos pronos pour ce week-end. Ouais. Alors, moi c'est rugby. Ben oui, parce qu'il y en a, hein, je ne sais pas si certains sont au courant. Dans l'émission. Non, mais si, mais la dernière fois, j'avais déjà donné un, Si, si, oui. non? Ouais, il était passé, voilà, pour info. Alors, je vais absolument pas être original, parce que c'est un petit peu. Enfin, les analyses là n'ont pas été très, très, comment je vais dire ça, compliquées. Donc. C'est un petit combiné. Un petit combiné. Malheureusement, c'est toujours pareil. Les codes sont pétés la gueule. Vous pouviez, quand vous combiniez ces deux codes-là, avoir du 1,60, quelque chose comme ça. Bon, mais non. Les cotes. Donc, c'est les Auckland Blues contre les Highlanders. Donc, ça, c'est samedi à 9h05. Vous pouvez aujourd'hui taper une cote à 1,20, un victoire sèche, sur plusieurs boucles, là. Et vous les combinez aux Crusaders. Vous les combinez aux Crusaders, qui est aussi autour de 1-20. Vous avez du 1-20, 1-20. Alors moi, ce que je ferais là, personnellement, c'est que si vous pouvez, vous faites le combiné. Alors ceux qui peuvent pas faire autrement, vous faites un interfait. Et ceux qui peuvent, vous faites un combiné des handicaps moins 2,5. D'accord? C'est-à-dire en dessous une pénalité. Donc ça va vous faire monter les cotes. Donc, Auckland Blues moins 2,5 et Crusaders moins 2,5, vous combinez ça. Et là, je pense que vous revenez vers une cote autour de 1,60, 1,70. Voilà. Voilà pour moi. Il n'y a pas grande originalité. En même temps, des fois, il faut savoir pas forcément faire trop original. Mais voilà. Pour suivre le rugby, normalement, il n'y a pas photo sur ces deux matchs. Ben, d'ailleurs, les cotes parlent d'elles-mêmes. Et il y a beaucoup de monde déjà qui a appuyé dessus parce qu'elles étaient un petit peu plus hautes en début de semaine. Voilà pour moi le prono rugby. Allez, et on va avec Damien qui va nous proposer les deux équipes marques. Non, même pas. Non, j'en ai parlé tout à l'heure, mais comment dis-moi, je dis que je vais parler de Manchester City Liverpool parce que la cote match nul remboursé pour Liverpool, elle est à 2,02. Donc la value, elle est là parce que je pense qu'ils peuvent gagner. Ah ouais, Donc la value. intéressant. Non, non, la value est là. Je pense que, comme on l'a dit tout à l'heure, ils veulent battre sûrement le record des points. Voilà, en victoire sèche, on doit être autour de 3 à 10 ou un truc comme ça. Et donc là, match nul remboursé, franchement, voilà, cote à 2,02. Pour moi, les values, même si c'est un match qui va être peut-être fermé, et puis voilà, ça reste quand même un bon match et c'est très compliqué d'aller gagner à Manchester City. Mais voilà, une cote Liverpool à 2,02 match comme ça. Honnêtement, elle est value. Donc moi j'irai là. Le match c'est dans 5-6 jours, hein. C'est le week-end prochain. C'est pas ce week-end là, mais je crois qu'on se verra pas av avant. Ça doit être mercredi ou C'est jeudi, donc le je préfère le donner.
de donner maintenant. Et puis aussi à regarder aussi parce que il y a Benzema qui est en forme aussi et sa moyenne de quand il marque un but elle est autour de 1,70 donc comme il est pas mal aussi je vais le jouer aussi ce week-end et pareil pour Ronaldo qui commence à enchaîner et qui est là depuis le confinement et à 1,70 1,75 de moyenne donc à regarder à chaque fois avec les compos des équipes et puis voilà, c'est les pour appuyer tes dires, Damien. Pour l'instant, l'argent est en train de faire baisser la cote de Liverpool. Ah ouais. Des parieurs. D'accord. Il s'est passé de 3,60 à 3,30. Voilà. Voilà. C'est juste pour. Oui. Donc faut le faire vite. Bah, c'est-à-dire que forcément, si la cote sèche de Liverpool est en train de descendre, tous les paris annexes que de la double chance de draw no bet à la zone handicap descendent aussi. Mmh. Ça, c'est les bases communicants, c'est logique. C'est logique. Donc voilà. Il y a eu un blanc. Je comprends mon texte. Bah, attends, Pierre-Yves, hein, tu... je sais pas ce que tu fais. Ouais, et ben voilà. Cette émission pour cette semaine, c'est terminé. Merci, les gars. De rien. Alors, attendez, petit aparté, parce que j'aime bien balancer les actus. En Russie, il y a pas mal de cas de Covid, de trucs, d'équipes qui envoient des jeunes et tout. Il y a eu une équipe de Rostov qui a envoyé ses jeunes. Ils sont pris 10 à 1. Bon. Voilà, le résultat est validé. Bon, bref, quand vous avez des infos comme ça, c'est sympa. Mais là, il y a des cas. J'ai vu, je crois, que le Locomotive, il me semble que c'est eux, pareil, ils ont eu des trucs. Bon, bref, donc à voir. Donc après, faut déchiffrer le cyrillique, hein, bien sûr. Ils sont pas le même avec nous. Mais bon, vous avez des traductions pour ça qui peuvent être intéressantes. Donc faut fouiller. Faut fouiller un petit peu, mais voilà, quand vous avez, voilà, il y a des équipes comme ça qui ont des cas, vous pouvez, voilà, derrière, ils pourront peut-être pas forcément envoyer leur équipe pro, donc ils vont envoyer des juniors. Donc c'est toujours à noter des choses comme ça. Et puis voilà, soyez aussi au courant quand des blessés de certaines équipes, ça peut être voilà aujourd'hui très préjudiciable parce qu'elles enchaînent. Les équipes au foot et il y a pas mal de pépins, il y a pas mal de blessures. Je crois que c'est à Mönchengladbach, je crois que leurs deux attaquants qui sont Pléa et je crois qu'ils sont tous les deux cassés, je crois. Et forcément, ben ça impacte le rendement que peut avoir que pourrait avoir aussi une équipe. Donc ça c'est ouais c'est ça, c'est Pléa et Thuram, pardon, excusez-moi. Qui sont tous les deux pétés à Mönchengladbach. Donc voilà, comme Mönchengladbach va rencontrer des plus gros, ça peut devenir compliqué pour eux. Donc à suivre tout ça. Donc regardez bien qui est titulaire, qui est absent dans les équipes, ça peut être important. Voilà. Et bon, on n'a pas le temps pour la palme du con, mais on la délivre sans problème à Djokovic. Voilà. Ouais. Hein, et puis bah vous tapez Djokovic et vous regarderez pourquoi. Ouais, si vous avez pas entendu parler, c'est que vous aimez plus les paris sportifs. Hein? Donc disais voilà, quoi? Bah si on n'en a pas entendu parler, si vous savez pas pourquoi, c'est vraiment oui. Pas l'actualité quoi. Oui, c'est que vous ne suivez pas l'actualité, il y a un problème ouais, pour les paris sportifs. Ouais, voilà, donc, vous ne nous écoutez pas, je pense. C'est ça. Donc, mais bon, autant vous dire qu'il ne doit pas être très fier. En fait. Non, le papa n'est pas content non plus. Hein. Rudy Gobert, puissance commune. Si vous avez vu, j'arrête, mais ils ont quand même fêté la fin du tournoi en boîte de night, sans masque et tout. Donc, ils s'embrassaient et tout. Ça a donné le résultat qu'on connaît. Hein, mm-hmm. Voilà, donc... le Covid est passé par là. Ouais. Bref, voilà, on referme la parenthèse. On arrête cette émission pour cette semaine. On se donne rendez-vous assez vite avec une annonce sur les prochaines émissions. On fait un peu de teasing, hein, un peu de mystère, mais on aura quelque chose à vous annoncer à partir de la semaine prochaine ou d'ici 15 jours. N'est-ce pas, Ben? Voilà, c'est ça. C'est, y a certaines choses dans les tuyaux. Donc, oui. Voilà. C'est bien, t'as fait un teasing, pas plus, je m'arrête là que tu veux que je dise. Donc voilà. À suivre dans les prochaines émissions. Oui, je pense qu'à la prochaine, je pourrais en dire un peu plus. Voilà. Très bien. Eh bien, merci les gars, et puis à très bientôt. Ouais, salut. Salut à tous, bonne semaine, ciao ciao. Tous, bonne semaine, ciao ciao. Tous, bonne semaine, ciao ciao. Tous, bonne semaine, ciao ciao.